que nous attendons avec avidité. Merci à toi. C'était intéressant parce que pour moi, parce qu'on a posé déjà maintenant une question qui me semble centrale, qui est l'articulation de l'individuel et du collectif. Parce qu'il y a de la force dans l'individuel et de la liberté. Et il y a dans le collectif aussi des libertés, des choses qu'on peut faire ensemble, qu'on ne peut pas faire seul. Mais aussi, potentiellement, dans le collectif, il y a du contrôle social, de la fermeture, de la bien-pensance, du jugement, etc. Mais en même temps, dans le collectif, il y a aussi énormément de ressources. Donc comment se nourrir de ces ressources sans empiéter sur l'individuel? C'est une des questions qui m'occupe beaucoup parce que ça m'intéresse beaucoup de voir ce que sont les structures de pouvoir qui dominent qui, comment, qui a la force de quoi, pourquoi, et comment faire en sorte que tout le monde puisse se saisir de sa propre force. Je pense aussi, parce que c'est ça qui me fait plaisir dans la vie, c'est d'être libre et d'être pleine d'énergie et de force dans la sécurité profonde, qu'en faisant ça, enfin en tout cas c'est mon désir, je ne heurte personne et je ne heurte l'expression et la force de personne. C'est pour ça que par exemple, j'aimerais beaucoup que soit vrai le célèbre proverbe « La liberté des unes et des uns commence là où commence aussi celle des autres ». Parce que d'une certaine façon, on se fait le si on arrive à bien mettre les pièces du puzzle, on se fait le cadeau de notre liberté et la liberté d'une personne est une autorisation pour les autres à faire pareil. Peut-être, mais peut-être que c'est le contraire aussi, que la liberté d'une personne est perçue comme une prise de pouvoir et que les autres se sentent exclus de cette liberté et viennent dans des jugements par rapport à la liberté exprimée et peut-être dans de la répression, ou peut-être dans de la soumission, ou peut-être plein d'autres choses. Et donc, la question qui a été posée ici, du collectif et du rythme, etc., elle est très très importante, je pense. Et ça n'a rien à voir, mais moi je pense qu'il y a un lien aussi. Je voudrais remercier les personnes qui ont fait ce beau centre de cercle. Voilà, parce que ça donne quelque chose et il y a déjà une petite part de créativité et de partage qui nous réunit de cette façon-là. On a fait ce matin, on a suivi un petit chemin. Pour moi, j'espère, c'était une articulation de ce que je proposais et de votre liberté, d'aller faire un tour dans son monde idéal. Si les modalités que j'ai proposées pour ça n'étaient pas les meilleures pour vous, bah, peut-être vous êtes saisi ou qu'à l'avenir vous vous saisirez d'autres façons de le faire. C'est quelque chose qui, tel que j'ai étudié le judaïsme depuis toujours, est absolument central dans le judaïsme. Alors, les deux choses que j'ai vécues ce matin, donc je vais vous dire les deux choses que j'ai vécues ce matin, c'était d'une part le plaisir d'être immergé, de rêver et de faire partie, de vivre, d'expérimenter ce monde idéal qui est un monde de fraternité, de sororité, de place de tout le monde, de respect de la vie en général, etc. Donc je l'ai expérimenté et je m'y suis sentie très bien. Et ensuite, j'ai expérimenté, peut-être vous aussi, je ne sais pas, la frustration, j'aurais pu le vivre autrement, hein, je pense qu'il y a 100 000 façons et ça dépend des jours, mais la frustration de revenir et ce n'est pas comme ça, non, je ne voulais pas, quoi. Je voulais pas revenir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui existe en permanence dans le judaïsme, de faire des rêves, de se rendre compte qu'ils ne sont pas des réalités, de souffrir de ça, de voir comment faire pour essayer que ça se réalise un peu, de se réjouir que ça marche un peu, de s'attrister que ça ne marche pas autant qu'on voudrait, etc., avec tous ces allers-retours. Donc, je donne un exemple. Et peut-être que chacun, chacune, vous avez votre façon, pas dans le judaïsme, peut-être dans le judaïsme aussi, de le traduire. Il y a le monde du Shabbat qui est censé
Et le Shabbat des Juifs n'est pas idéal, donc j'en sais rien. Je ne sais pas si le Shabbat que les uns et les autres vivent représente ce qu'ils veulent ou pas vivre. Hein, mais en principe, le Shabbat, c'est vivre comme si on avait réussi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité, j'ai pas réussi. Non, c'est la culpabilité, elle reste en dehors du Shabbat. C'est comme tracer un temps. Le Shabbat, ça commence le vendredi soir, ça finit le samedi soir. Shabbat, ça veut dire une cessation, et c'est un temps séparé qu'on marque avec différentes pratiques et dont on exclut toute action compliquée, disons, toute action émotionnellement compliquée de changement dans le monde, etc. On fait une place, on espère vivre le meilleur de ce qu'on peut vivre comme si on avait réussi. Donc en théorie, Shabbat, on se pose plus de questions sur les grands problèmes du monde. On est après. On imagine et on voit dans le judaïsme et on se rattache à un plus tard qu'on peut appeler par exemple l'ère messianique, mais on n'est pas obligé non plus. Enfin, s'il y a des mots qui ne vous plaisent pas, c'est pas important, hein. L'important, c'est ce que vous en faites. Donc un monde plus tard où est installée la paix, la fraternité, la sororité, être ensemble, que tout le monde ait à manger, qu'il n'y ait pas de souffrance inutile et que le peu de souffrance inévitable soit vivable et accompagnée, disons, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, pour moi, c'était intéressant cet exercice de ce matin pour nous faire rentrer là-dedans, parce que c'est aussi un exercice d'ouverture et d'élargissement des possibles. C'est-à-dire que quand on s'autorise quelque chose, on peut peut-être s'autoriser autre chose et en ayant fait un pas de plus, on voit des horizons différents. Sur ce sujet, je le cite souvent et je crois que je vais continuer à le citer toujours. Il y a une personne qui est notre contemporain plus ou moins, qui est pas juif du tout d'ailleurs, qui s'appelle Heinz von Förster, qui a un principe éthique, et pour moi, ça résume bien tous mes autres principes. Enfin, j'y pense souvent quand j'hésite sur des conduites à tenir, qui est en toute situation, efforce-toi d'élargir le champ des possibilités. C'est un principe qui est profondément humaniste parce que ça postule le fait qu'on a cette liberté, et ça rejoint la vision du judaïsme de la liberté humaine, comme on le dit. Comme on le raconte, l'éternel créateur du monde a créé l'être humain à son image, c'est-à-dire aussi créateur, créatrice du monde. Et après le travail de création, pendant six temps particuliers, il y a eu un septième temps de création à travers le fait que la création a cessé, mais je vais redire ça autrement. Il y a eu un temps d'arrêt de la création de la part de la force transcendante créatrice du monde, en tout cas, c'est ce qu'on raconte, pour dire stop, à partir de maintenant, c'est les êtres humains qui prennent en charge la poursuite de la création du monde dans une alliance de création. Donc, si Dieu existe, il nous dit que maintenant, c'est à nous de bosser. La Bible ou le judaïsme décrit pas ce que serait une divinité transcendante. Mais la Bible, la Torah écrite, nous raconte des histoires qui nous disent quelque chose. Et l'histoire, c'est Dieu a créé le monde, le septième jour il s'est arrêté. Et il a dit, maintenant, c'est le monde, c'est à vous de le construire, de le garder, de le cultiver, etc. Donc, ici, ça fait partie de cette idée d'élargir au maximum le champ des possibles. Et en principe, c'est mon objectif dans tout ce que je fais, je crois. Voilà. Et donc, ici aussi. La façon dont on élargit le champ des possibles, c'est soi-même, dans son intervention dans le monde. Donc, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas se définir. Mais je représente, disons que je suis héritière d'un judaïsme français des Lumières,
d'un judaïsme lié à la fondation des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Et si ça vous dit quelque chose, à des personnalités comme Edmond Flegg, Robert Gamzon et d'autres. J'ai grandi à Paris, le judaïsme était lié à l'humanisme à chaque instant dans ma vie, pour moi c'était l'évidence. J'ai rencontré d'autres visions du judaïsme qui m'ont parfois rejetée avec fermeté. Ce qui m'a interrogée sur ce qu'était le judaïsme, puisque s'il y en a d'autres qui me disent que ce que je dis c'est n'importe quoi, qui a raison là-dedans, comment on fait, etc. Et disons que dans ce contexte, j'ai fait le choix d'aller chercher aux sources. Et donc pour moi, le summum des sources, c'est en Israël, en hébreu, ce qui donne le meilleur accès à la fois à beaucoup de sources anciennes et à la fois à beaucoup de recherches actuelles, parce que l'essentiel de la recherche dans ce qu'est le judaïsme et de la production intéressante du judaïsme aujourd'hui est en hébreu et en anglais. Voilà, donc c'est mon chemin. À travers aussi la voie de la sociologie et du droit et de la sociologie du droit. Et ça dit aussi quelque chose parce que la vision sociologique est proche de la vision critique historique et de la vision juive aussi, en ce sens que d'un point de vue sociologique, l'autre a raison autant que moi. Enfin, je veux dire, on a autant de raisons d'avoir raison. Après, moi, je fais ce que je pense, mais l'autre a d'aussi bonnes raisons de croire et de faire ce qu'il croit et ce qu'il fait que moi, j'en ai de faire ce que je crois et ce que je fais. Donc, il y a une vision extrêmement aussi respectueuse. Et puis, ça ne suffit pas que je lui dise non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Parce que non, c'est tout son système de construction qui est comme ça. Donc, il y a cette idée. Dans la sociologie aussi, de respect et d'examen. D'ailleurs, le centre du cercle me sert aussi à voilà, projeter quelque chose. C'est quelque chose qui est partagé aussi par l'approche historico-critique qui existe aujourd'hui, alors qui existe en même temps que la naissance de l'histoire et des sciences en Occident, c'est-à-dire dans le courant du 19e siècle. Il y a la création de l'histoire et de la perspective critique, enfin, peut-être avant aussi, plus ou moins. C'est quelque chose qui, du point de vue des sources juives, existe depuis et déjà, disons, qui a été mis en place et ordonnancé, on va dire, au 2e siècle, avec la Mishnah, puis au 5e siècle, avec la Guémara. Enfin, en tout cas, il y a des discussions entre les sages et c'est toujours compliqué de donner des dates. Parce qu'il y a le moment où le texte est rédigé, donc la Mishnah, qui est la Torah orale, la première partie écrite de la Torah orale. Torah orale, elle est écrite, pourquoi? Pourquoi elle devait être orale? On va pas parler de ça maintenant, mais vous voyez qu'il y a des choses qui changent. Mais voilà, la Mishnah, c'est la Torah orale. Il n'y a pas de Torah écrite sans Torah orale. Quand on lit la Torah écrite, si on la lit sans la Torah orale, c'est pas un truc juif. Parce que le judaïsme lit la première alliance, l'Ancien Testament, le Pentateuque, tout ça c'est la même chose, avec des lunettes particulières qui changent ce qui est écrit dedans. C'est des lunettes magiques. Et voilà, donc quand je lis à la synagogue les textes du Pentateuque, je rappelle tout le temps, au fait, je ne le dis pas sous cette forme, mais peut-être qu'à partir de maintenant je le ferai. Au fait, n'oubliez pas de mettre vos lunettes magiques parce que sinon vous allez être choqués, révoltés, vous allez partir en courant et vous aurez raison. Ou de temps en temps, vous serez content aussi parce qu'il y a aussi des très belles choses. Mais il y a effectivement dans la Torah écrite des questions de lapidation en cas d'adultère, tu vois. Mais avec les lunettes magiques, qu'à mon avis, il faut rendre de plus en plus magiques et continuer à les rendre de plus en plus magiques parce que leur effet est insuffisant, à mon avis. Mais quand même, les conditions ne sont jamais remplies pour qu'on passe à la lapidation. Il faut qu'il y ait un tribunal rabbinique de 70 sages qui en décide. Si les 70 sont d'accord pour lapider, c'est qu'il y a eu de la corruption, donc on ne le fait pas.
Si, mais il faut donc qu'il soit 69 pour et un contre. Et de toute façon, s'il le fait plus qu'une fois tous les 70 ans, ils sont appelés meurtriers. Et de toute façon, blablabla, blablabla, blablabla. Donc il y a une grande, grande, grande distance prise par rapport à tous les trucs insupportables. C'est pour ça, entre parenthèses, que les juifs laïcs qui s'enfuient au courant du judaïsme ont absolument raison. Parce que ils lisent ça et ils s'en vont. Ils ont raison, mais juste, c'est pas ça le judaïsme. Donc moi, je regrette qu'ils partent parce que je pense que le judaïsme a besoin d'eux. Mais ils ont raison. Et alors, pourquoi garder ces textes? Parce que moi, c'est ma conviction. Enfin, et mon attitude, je suis très méfiante par rapport à l'idéalisation. Donc, si on supprime tous les passages pénibles de la Torah écrite, on va penser que les sociétés juives antiques étaient parfaites, que la société présente est parfaite, que tout va bien. On ne sera pas habitué à ce que ce soit à être confronté à des choses insupportables. Et on a besoin de continuer à se créer à la fois des lunettes magiques pour pas croire les trucs stupides, et à la fois peut-être des mains magiques pour changer les trucs stupides. Donc, si on rendait beau tout l'ensemble des textes de la Torah écrite, notre attitude, ça nous renverrait à de l'admiration. Or, c'est bien l'admiration et c'est bien la gratitude, mais c'est important aussi de l'insupportable, de la confrontation à ce qui est inacceptable et a priori. C'est pas moi je trouve que c'est intelligent de se confronter à de la violence et à de l'inacceptable dans un texte pour en parler et pour se préparer de telle sorte qu'on soit mieux armé quand on fait face à de l'inacceptable dans le monde. Et donc, je vous ai raconté maintenant en quoi la perspective historico-critique fait partie aussi du judaïsme parce que peut-être. Je vais voir jusqu'où j'emmène cette métaphore, mais l'approche historico-critique, on pourrait dire que c'est des lunettes magiques, ça rendrait ça un petit peu plus poétique que simplement, vous savez comment on fait. On prend des textes, on prend les différentes versions, différents manuscrits, du Pentateuque, de la Mishnah, du Talmud, de tout, on les confronte, on se dit pourquoi est-ce que ce n'est pas la même version? Et qui a raison par rapport à qui, pourquoi, qu'est-ce qui est le plus antique et pourquoi ils ont changé? Et est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un truc intentionnel, tous ces changements? Tout ça pour vous dire que bah, j'espère, alors je ne sais pas si ça vous. Si, je ferai un petit service après-vente si nécessaire. Mais s'il y a plusieurs versions, c'est qu'aucune d'elles, ou on ne sait pas trop, laquelle aurait été donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse qui n'a pas forcément existé. Et en tout cas, on n'en a pas de traces, etc. D'accord? Donc, voilà. Et donc ça, c'est aussi un truc juif, vraiment, de vivre en double niveau. On vit sur la réalité idéale qu'on veut et dans le monde qui est quand même souvent très, très pourri. Et quand, enfin, l'histoire juive a des moments de gloire, mais aussi pas mal de moments vraiment non. Okay? Donc, on vit sur les deux en parallèle. Et de la même façon, moi je pense, je soutiens et je pense que j'ai raison, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais je pense que c'est dur de soutenir le contraire quand même. Donc je vais dire ce que je dis. Donc que aussi on vit en double sur, d'un côté les histoires. Moïse a fait sortir les Hébreux d'Égypte pour la liberté, donc on répète tout le temps. Sois bon avec l'étranger parce que tu connais toi-même le cœur des étrangers, car tu as été toi-même étranger en terre d'Égypte, et ne te rends pas esclave et refuse tout esclavage pour toi et pour les autres. Fais Shabbat comme ça, une fois par semaine, tu ne t'esclavagises pas, mais t'es libre. Fais Shabbat parce qu'une fois par semaine, tu as le droit d'exploiter personne. Donc tu respectes les gens dans leur liberté, parce que Dieu lui-même a fait Shabbat le septième jour, et parce que tu as été esclave en pays d'Égypte. Et puis d'un autre côté, ben, en même temps, on rentre et on croit à ça. Et en même temps, non. Non.
Il n'y a pas eu 600 000 hommes, plus 600 000 femmes, plus des vieillards, plus des enfants pendant 40 ans dans le désert, sans qu'il y ait zéro, aucun signe archéologique. Enfin, peut-être. Enfin, ça va? Voilà, et moi je considère que c'est mon travail par rapport aux sources juives de nourrir cette double chose-là, parce que l'histoire, elle est géniale. Mais tout le monde sait qu'elle n'est pas vraie, parce qu'on a un commandement dans la Torah et puis dans la Mishnah et puis dans la suite, à la fête de Pâques, à la fête de Pessah, tu raconteras à ton enfant. Voilà ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sortie d'Égypte. Ma fille, elle sait que je ne suis pas sortie d'Égypte. Et elle sait que je ne suis pas une menteuse. Donc elle sait que je ne suis pas en train de dire un truc vrai au sens direct. Et ça, c'est depuis l'époque de la Mishnah. Donc ce n'est pas un truc inventé parce qu'on n'en peut plus de la critiquer historico-biblique. C'est un truc qui est normal du point de vue du judaïsme. Donc moi je viens de ça, de la sociologie, du judaïsme, de l'humanisme, de ce petit mélange-là. Ouais, ça Je veux marche. dire ensemble, tu en as parlé simultanément, mais là simplement de revenir. J'y crois, je raconte l'histoire, je suis sortie d'Égypte, j'ai été esclave, ce qui est vrai. Enfin, mais pas exactement de cette façon-là. J'ai été esclave, et comme je suis sortie d'Égypte, toi, ma fille, tu pourras sortir d'Égypte. Et nous, chez nous, ce qu'on fait, c'est quand on est esclave, on sort d'Égypte. Et on demande et on redemande et on redemande 10 fois et on ne se laisse pas faire. Et s'il faut qu'il y ait 10 plaies, il y en a 10, mais si elles s'arrêtent avant, c'est mieux. Mais on va sortir d'Égypte parce qu'on est sorti d'Égypte. Et d'un autre côté, bah, l'Exode n'a pas existé. Oh, non, mais on n'est pas. Voilà. Disons que ce n'est pas forcément un problème, et que du point de vue de l'histoire juive, ce n'est pas un problème, et que du point de vue de ce qu'on raconte dans la Torah orale, depuis longtemps, ce n'est pas un problème. Il y a deux personnalités. Alors, moi, j'ai un grand questionnement en ce moment qui est comment aujourd'hui le judaïsme ensemence ou pas la culture humaine? Et il y a deux personnalités récentes que je vais citer maintenant, il y en a plein d'autres, qui sont d'une part Starhawk et d'autre part Leonard Cohen, dont émanent des sources juives. Enfin, on sent qu'il y a un terreau juif fort dedans. Et en même temps, il ne se revendique pas du judaïsme. Je vais dire quelques mots sur Starhawk parce qu'elle contribue à comprendre ce qu'est la prise de pouvoir ou la pas prise de pouvoir et quel type de pouvoir existe dans le monde. Si vous avez un problème avec le mot pouvoir, j'en ai peut-être pas trouvé un mieux. Mais ce n'est pas en faisant semblant que personne n'a de pouvoir sur rien qu'on résout les problèmes. Parce que c'est pas vraiment, enfin, en tout cas, c'est pas ce que je crois, on peut en discuter. Et ce que dit Starhawk, c'est qu'en parlant de qui a quel type de pouvoir, pourquoi, eh ben, on l'explicite, on le régule. Et en fait, c'est pas en laissant les choses en friche qu'on réussit à ce que tout le monde ait sa place. C'est ce qu'elle dit. Et elle dit, donc elle s'appelle Starhawk, d'accord? Elle s'appelle pas. Yehudit Bat Tzvi. Okay? Elle a pris un pseudo et son pseudo c'est Starhawk, ça veut dire l'aigle des étoiles ou un truc comme ça. Tu vois? Donc, elle. D'accord? Starhawk. D'accord, donc si elle se revendiquait de ses racines juives, elle s'appellerait Yael Batia et David. D'accord? Non. Starhawk, ok? Donc c'est intéressant. Qui se revendique aujourd'hui du judaïsme et qui en est nourri, etc. Elle dit qu'il y a du pouvoir sûr, c'est le pouvoir de domination, le pouvoir hiérarchique.
Et c'est pas son truc, c'est pas le mien non plus. Mais c'est quelque chose qui existe dans le monde. Elle dit, et là on est plus consensuel, qu'il y a du pouvoir d'action commune, du pouvoir de solidarité. Donc il y a le moyen de se mettre d'accord ensemble sur des actions qu'on fait, et là c'est quelque chose dont je sais que beaucoup d'entre vous partagent ce type de pouvoir, le pouvoir qui naît ensemble de la solidarité qui est entre nous et de notre action dans le monde. Elle dit qu'il y a un pouvoir qui est un pouvoir social, un pouvoir de charisme, par exemple, quelqu'un qui, ou un pouvoir, par exemple, de maîtrise du langage. Si je parle bien, surtout en France où tu vois, si je fais pas de faute d'orthographe, enfin, il y a un certain nombre dans les sociétés, un certain nombre d'identifiants qui font que si tu rentres dans certaines normes, tu as du pouvoir, on te donne du crédit. Et elle dit que ce pouvoir peut être mérité ou pas. Par exemple, si je suis riche, j'ai du pouvoir, parce que les gens veulent peut-être être mes amis, veulent que je subventionne leurs projets, ça me donne un certain lustre, peut-être, peut-être pas partout, mais il y a ce phénomène-là. Bah, si, ça, je l'ai hérité de mes parents, je ne l'ai pas mérité. C'est peut-être grave ou pas, j'en sais rien, mais il y a différents types de pouvoir social. Si, j'ai consacré ma vie à étudier et à partager et à donner et à contribuer au monde, bah peut-être que j'ai aussi un certain pouvoir social, qui est un pouvoir social mérité, et que ce serait un peu dommage de ne pas m'écouter sur mes domaines de compétences et d'engagement. Ça ne veut pas dire que ma vie vaut plus que celle des autres, mais sur certaines questions, de temps en temps, reconnaître un pouvoir social et identifié, c'est pas mal. Et il y a un autre pouvoir qui est un pouvoir de ce qui se passe ensemble quand on vit quelque chose ensemble, quand on est en communion, quand on chante ensemble, que ce soit à l'église, à la synagogue, à un concert de Billie Eilish, enfin, je sais pas, où j'imagine peut-être un match de football, j'ai moins l'expérience de ça, enfin, peu importe. Il y a le pouvoir transcendant de ce qui naît quand on est ensemble. Et le temps passe. Alors, dans les trésors du judaïsme, ce que je veux mentionner, c'est cette articulation du collectif et de l'individuel et du pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de peur du pouvoir, mais il n'est pas censé y avoir d'appropriation du pouvoir. Donc, pour pouvoir faire un truc dans le judaïsme, pour pouvoir faire les choses de l'ordre du sacré ou du spécial ou etc. Là, il faut pas, il n'y a pas besoin d'un rabbin, il y a besoin d'être 10. 10 personnes. Y compris 10 femmes. Certains le contestent. C'est un combat en cours. Mais quand on est 10, il y a quelque chose de particulier qui peut naître parce que on reconnaît un pouvoir à un groupe de 10 personnes et en même temps, à l'intérieur de ce groupe, le leader peut changer tout le temps. Donc les enfants, quand ils font leur bar ou bat mitzvah, leur accession à la liberté, à la majorité du point de vue du judaïsme, ils sont à partir de ce moment-là en mesure d'accomplir tous les actes qui se passent à la synagogue, et c'est ce qu'ils font. Pour témoigner de ça, c'est ce qu'ils font. Donc, ils me remplacent en dirigeant des offices, en dirigeant certains textes, certaines prières, disons, en faisant un enseignement, en lisant dans la Torah. Et néanmoins, on investit cette personne-là, cette jeune personne de 12 ou 13 ans, d'un statut de dirigeant, mais pas plus que les autres, puisque chacun, à son tour, à ce stade-là de la vie, on dirige. Et qu'ensuite, en théorie, en principe, tout le temps, à chaque fois qu'il y a un office ou une lecture de la Torah, tout le monde peut la faire. Évidemment. Sauf dans les endroits où pas les filles. Pareil, c'est un combat en cours. Par exemple. Donc, il y a cette question-là d'articulation. Et donc, voilà. Donc, on a dit dans les outils du judaïsme, il y a
des outils d'articulation du collectif, d'identification du pouvoir. Là, ce que j'ai dit, c'est ce que Starhawk dit, hein, mais c'est un outil que je voulais partager avec vous parce que c'est une grille de voir comment se répartit le pouvoir d'une façon ou une autre, pour pouvoir dire ensuite, dans le judaïsme, il y a un pouvoir, alors du coup, c'est un pouvoir social qu'on attribue à une personne pour diriger, mais c'est quelque chose qui peut tourner. Donc, il y a à la fois j'y crois, à la fois j'y crois pas. Il y a à la fois je vis dans ce monde-là, à la fois j'ai un pied dans un autre monde. Il y a à la fois certains ont du pouvoir et à la fois les autres aussi, mais peut-être pas tous en même temps pour qu'on puisse se permettre de faire des choses. Et il y a à la fois il y a un texte et à la fois il y a plein de critiques du texte. Donc ça, c'est peut-être l'autre chose sur laquelle je veux développer un petit peu, c'est qu'il y a une culture du désaccord. Chélek, c'est une part. Machloket, c'est des avis partagés. C'est une discussion où il y a des avis partagés. Et donc, il y a une culture de la machloket, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc on voit sans aucun problème un texte, un vrai texte normalement. C'est ce que je pense, mais je pense que j'ai vraiment, vraiment raison. Un texte juif, tu as le texte ici initial, qui potentiellement a ses contradictions. Et puis tu as des commentaires, des commentaires, des commentaires autour de plein de périodes différentes. Donc si le texte central, c'est celui de la Torah écrite, il n'a pas de voyelles, il n'a pas de points, il n'a pas de virgule, et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Donc il n'est pas très oppressant. À la fois, peut-être comme ce centre, il attire quelque chose, comme le petit grain qui est dans l'huître pour faire la perle, tu vois. Enfin, mais pas tellement. Enfin, mais il interpelle. C'est-à-dire, par exemple, si on veut un slogan pour tous se rassembler derrière une idée que nous allons défendre jusqu'à la mort, par exemple, la Torah, ça marche pas. Hein. Mais quand même, certains arrivent à en faire ça. Enfin, moi, j'hallucine complètement, mais voilà. Mais bon, donc si le texte central, c'est la Torah écrite, je vous ai dit en quoi elle n'est pas. C'est compliqué de la rendre autoritaire. Si le texte central, c'est de la Mishnah, alors il y a un rabbin qui dit un truc, un rabbin qui dit le contraire, un autre rabbin qui dit encore le contraire. Et les commentateurs, c'est encore d'autres qui disent pourquoi ils disent le contraire de quoi et d'où ça vient et est-ce que c'est lié au climat? Ou à l'école à laquelle il se rattache, ou à un autre truc qui dit le contraire ailleurs. Donc, vous voyez, en termes d'autoritarisme, ce n'est pas possible d'être autoritaire quand on est juif. Mais si, on le voit, mais je ne comprends pas. Vous voyez, parce que de quoi tu te revendiques? Mais alors sinon, revendique-toi de Dieu! Ah, qui? Ah, on ne connaît pas son nom. Depuis le deuxième temple, on n'a pas le droit de le dire. Ces quatre lettres qu'on ne sait pas prononcer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment l'autoritarisme. Il existe dans le judaïsme, il y a des combats de clochers. Et il y a De des luttes de chapelle. pouvoir, de chapelle, des luttes de pouvoir. Mais je ne. C'est-à-dire, pour moi, c'est juste que. Mais là, ça m'appartient à la façon dont je le formule, que la réalité du judaïsme n'a pas réussi à vaincre les désirs d'instrumentalisation autoritaire et de pouvoir, et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas qui va gagner. Parce que peut-être que ce qui va gagner, que ce qui existera dans 100 ans, c'est le judaïsme autoritaire, où les rabbins ont des grandes barbes et dénigrent tout le reste derrière, peut-être. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que des fondateurs du judaïsme, tels que par exemple Hillel et Shammai, ont perdu. Et ça veut dire que ceux qui ont raconté l'histoire de Hillel et Shammai, je vais vous donner un exemple maintenant, ont perdu. Mais peut-être que c'est ça l'histoire. Il y a des choses qui gagnent, des choses qui perdent. Moi, je suis du côté d'un certain côté, et puis on verra. Mais voilà, mais donc c'est pour ça que Starhawk et Leonard Cohen me manquent. Mais ça veut dire qu'ils font autre chose autrement et que ça amène autre chose, et on verra bien. Moi, je ne sais pas. Donc, que disent Hillel et Shammai?
C'est raconté dans un traité qui s'appelle Hérouvine. Redis qui c'est. Hillel. Hillel. H-I-2-L-E-L. Et Shammai. Donc, Shammai, donc ils étaient au moins... C-H-A-M-A-I. Shammai. Quel siècle? Donc, ils étaient au moins premier siècle. Et leur histoire est racontée de façon bien postérieure, mais donc ça veut dire que... Là il y a une base historique, hein, quand même. Mais c'est intéressant aussi parce que ce qu'on raconte plusieurs siècles après, ça dit de ce qu'on veut raconter. Enfin, il y a aussi un travail d'édition qui se fait. L'histoire est la suivante. Vous la connaissez peut-être. Hillel et Shammai sont les exemples de ce que disait la marloquette, le désaccord, le fait que c'est OK d'être en désaccord. Les écoles de Hillel et de Shammai étaient, je cite ici la Guémara dans le traité Hérouvine, étaient en désaccord depuis 3 ans. Lorsque, pendant 3 ans, ils parlementaient, c'est-à-dire pendant 3 ans, il n'y a aucun qui lâchait, il n'y a aucun qui envoyait un caillou dans la tête de l'autre en disant « je veux plus te voir ». D'accord ? Non, pendant 3 ans. Sur un sujet hyper, hyper important qu'on ne sait pas. C'est pas précisé, on ne sait pas. Mais bon, ils n'étaient pas d'accord et ça ne dirait pas. Il y a d'autres histoires où on sait, enfin, il y a plein de cas comme ça, mais voilà. Lorsque une voix du ciel est venue se faire entendre et a prononcé les mots suivants. Ces paroles-ci, comme ces paroles-là, sont les paroles du Dieu vivant. Mais en toutes circonstances, nous choisissons toi. C'est-à-dire, en toutes circonstances, la loi suit l'opinion de l'école de Hillel. D'accord ? Et le Talmud continue et dit, si les deux... Vous avez vu la contradiction. Le Talmud soulève lui-même la contradiction que vous avez déjà dans vos têtes. Si les deux ont raison, pourquoi t'en choisir en fait? Si les deux ont raison, pourquoi est-ce qu'on choisit l'école de Hillel? Et le Talmud continue et répond, parce qu'en toutes circonstances, l'école de Hillel choisit l'humilité, expose l'avis de l'autre autant que le sien propre, et expose la vie de l'autre même avant le sien. Donc pourquoi est-ce qu'on préfère Hillel? C'est parce que l'école de Hillel ne s'empare pas du pouvoir, n'essaye pas d'utiliser un système autoritaire, le premier que j'ai cité, qui est l'autorité sûre, mais au contraire, fait émerger des possibilités et garde les possibilités. Alors, d'autres disent ceci et cela, et c'est une possibilité, mais ce que nous enseignons, c'est ceci et cela. Tu vois, c'est cette attitude-là qui fonctionne. Donc ça, c'est l'école de Hillel en termes de non-appropriation du pouvoir. Et donc, je vous racontais ça parce que c'est une autre façon d'articuler l'individuel et le collectif. Il y a plusieurs façons. Elles ont toutes leur importance et leur raison d'être. Et on peut essayer de choisir l'une ou l'autre à certains moments pour certaines raisons en laissant les choses ouvertes autour de l'idée de marloquette. Ça veut dire aussi que là-dedans, il y a à travers cette ouverture de tous les possibles, une ouverture vers une grande palette émotionnelle qui se retrouve aussi dans les différents livres de la Bible, parce qu'on a l'atmosphère amoureuse du Cantique des Cantiques, l'atmosphère douloureuse des Lamentations, l'atmosphère ultra-joyeuse, parce que c'est comme ça qu'on le vit, du livre d'Esther, qui, entre parenthèses, n'est pas le même dans la Bible hébraïque et dans la Bible chrétienne. Donc Esther est religieuse dans la Bible chrétienne, mais pas dans la Bible hébraïque, c'est assez intéressant. Mais donc c'est la fête de Pourim où il y a énormément de joie. Il y a, toute une palette émotionnelle qui est reconnue aussi à travers les fêtes. Là, on s'approche dans le monde juif de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête
du regret, de la tristesse, de la remise en question, de la colère, de qu'est-ce qui n'a pas marché et de comment je fais pour que ça marche l'année prochaine. Et puis après, il y a la fête de Soukhot, qui est la fête de la joie. Donc, il y a toute cette palette qui rentre aussi là-dedans. Il nous reste quelques minutes, et dans ces quelques minutes, donc on a parlé des rituels, on a parlé de l'étude, de l'équilibre entre le collectif et le personnel, de l'inclusion des émotions et de la contradiction. Dans le temps qui nous reste, je voudrais partager avec vous quelque chose qui nous amène et qui nous amènera à conclure avec Leonard Cohen, qui est comment les textes anciens arrivent jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce qu'il est possible d'en faire. Et tout ça, ça se base sur 2000 ans de tradition et de créativité et de changement et d'un peu n'importe quoi, parce que quand on détruit le temple et qu'on remplace les sacrifices par le fait d'étudier des textes, tu vois, enfin, ça veut dire qu'on peut aller très loin, et je vous dis ça parce que c'est une ouverture sur ce que vous allez voir avec Leonard Cohen. On va commencer avec le dernier texte, avec la fin. Donc, sur la feuille, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis Libby Roderick en anglais et ma traduction en français. Je vous ai mis un texte de Leonard Cohen en anglais et ma traduction en français, qui est, si vous avez des idées d'amélioration de la traduction, c'est envisageable. Et nous, on tourne la feuille et on regarde le Kaddish et la traduction que j'ai faite du Kaddish. Donc, un texte juif qui revient et qui revient sans cesse au courant des offices, qui aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de juifs et de juives, est associé à rendre honneur aux défunts. Donc, si quelqu'un que j'aime et dont j'étais proche est décédé, je dis le Kaddish tous les jours pendant un an. D'accord? Ça, c'est la façon dont ça résonne pour les juifs d'aujourd'hui majoritairement. La réalité, c'est que ce texte est aussi très présent au sein des offices, mais historiquement, il a apparu pour la première fois, pas dans les offices et pas dans un cadre religieux de prière, mais dans un cadre de reconnaissance de l'importance d'un enseignement qui a été donné. Donc l'essentiel de ce qui se passe à la synagogue en moins 500, c'est qu'on étudie des textes. On lit des textes et on y réfléchit, on essaye de voir ce qu'ils veulent dire. Et aujourd'hui, c'est différent et il y a eu une évolution. Mais donc à la base, ce texte-là représente toute cette évolution parce qu'à la base, quand un enseignant a dit quelque chose, on lui répond en disant ce texte-là. Ce texte-là qui est absolument intraduisible. Donc on va commencer par ne pas le traduire et par faire une petite expérience qui est simplement, moi je le dis en hébreu araméen, c'est de l'araméen babylonien en gros. Donc je le dis, vous vous répondez Amen et ce qui est en gros. Alors, je fais une petite répétition. Enfin, c'est un exercice, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous y croyez, ça ne veut pas dire que vous êtes juif ou juive. C'est juste pour que vous voyez la différence de rythme. Parce que plus important encore que les mots, c'est le rythme et l'énergie qu'on y met. Ok, vous me direz Amen. Et essayez de dire juste une fois la phrase qui est longue. On l'a dit ensemble. Yehé shemeraba mevarach le alam ou le alme almaya itbarach. Bon, on va faire l'expérience. Normalement, on le dit debout, on le dit dans certaines circonstances. Là, on ne le fait pas parce que c'est un exercice. Itgadal veitkadash shemeraba. Amen. בעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קרי ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברכה לאדם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלה על שמי דקודשה בריחו. בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דן איראן בעלמה ואמרו אמן. אמן.
Yehe shelama rabba min shemaya vechaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Et le dernier, peut-être vous connaissez, on peut le dire ensemble si, vous, si le cœur vous en dit. Ose shalom bimomav, ou yaase shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol chai v'imru amen. Je voulais qu'on se plonge dans le rythme avant de lire la traduction, parce que dès qu'on est dans la traduction, le rythme est complètement paumé. Or, c'est hyper important. Vous l'avez entendu, hein, vous l'avez senti là, le rythme. Donc ce qu'on va faire là, on va le faire en français, ensuite je donnerai des éléments de compréhension, parce que moi je trouve qu'en français, comme ça, ça ne veut rien dire, mais c'est la traduction, d'accord ? Mais il faut des éléments pour le comprendre. Essayons de voir ce que ça donne en français. Et encore une fois, mettons-nous d'accord sur le fait que quand vous dites j'adhère, ça ne veut pas dire que vous adhérez, d'accord ? Ça veut dire qu'on fait l'exercice. C'est moi qui ai fait la traduction, vous trouverez peut-être des traductions différentes ailleurs. Que soit grandi et rendu spécial le grand nom. Ah pardon, il y a un j'adhère, il faudrait que vous disiez j'adhère là. On recommence. Que soit grandi et rendu spécial le grand nom. J'adhère. Dans le monde qu'il a créé à sa volonté et que règne son règne, du temps de notre vie et de nos jours, et des jours de toute la maison d'Israël, bientôt et dans un temps proche, et dites j'adhère. J'adhère. J'adhère que le grand nom soit béni, agrandi pour toujours, et pour les toujours des toujours. Qu'il soit agrandi et qu'il soit loué, qu'il soit embelli et qu'il soit élevé, qu'il soit porté et qu'il soit orné, qu'il soit soulevé, qu'il soit loué, le nom du sacré qui est béni. Je pense qu'il faut dire j'adhère. J'adhère. Ouais, merci. Au-dessus de tous les agrandissements et de tous les chants et de toutes les éloges et de toutes les consolations que nous disons dans ce monde, et dites j'adhère. J'adhère. Qu'il y ait une grande paix qui vienne des cieux pour nous, pour tout Israël et pour tous les vivants, et dites j'adhère. J'adhère. Ce qui fait la paix dans ces hauteurs, que cette même force fasse la paix pour nous et pour tout Israël et pour tous les vivants, et dites j'adhère. J'adhère. Voilà. Donc ça, c'est le Kaddish avec ma traduction. On va passer à l'Anor Kane, donc je ne vais pas approfondir là-dessus, mais quand on dit que soit agrandi le grand nom, ça vous évoque quelque chose ? Donc le grand nom, c'est évidemment le nom de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il soit agrandi ? Parce qu'on participe à la divine, enfin, on est co-créateur avec lui. Donc Dieu existe si on le fait exister. Peut-être que Dieu existe aussi, mais sinon... ou la transcendance, ou le et. Vous voyez, derrière ça, on nomme tellement pas Dieu qu'on l'appelle le grand nom. Shemé Rabba, Hashem Harav. Le mot bénédiction aussi, c'est synonyme en hébreu d'agrandissement, élargir. L'espace de Satan. D'accord ? Donc c'est ça qu'on dit quand on parle de bénédiction, que ce soit agrandi, etc. Et donc que fait Leonard Cohen ? Bah, il y a que lui qui pourrait nous le dire. Mais dans le texte, restez sur le verso, regardez le troisième paragraphe, ça revient plusieurs fois. Quand il dit magnifier, sanctifier, soit le nom sacré, est-ce que vous sentez que qu'il parle du Kaddish ? Que soit agrandi et que soit loué, machin ? Il parle du Kaddish. C'est curieux la phrase suivante. Non, mais c'est Leonard. Enfin, ça fait partie des trucs un peu obscurs de Leonard Cohen. Donc, si on ne comprend pas chaque mot, c'est pas grave. On va l'écouter après. Et la phrase suivante, il fait rentrer. Diffamé, crucifié dans le cadre humain, là il fait rentrer du référentiel chrétien. Et maintenant je vais vous le lire en français et on va voir, je vous lis Leonard Cohen dans ma traduction. Donc le Kaddish, pardon, je dis un dernier mot sur le Kaddish. Le Kaddish, quand on le dit, soit c'est après un enseignement et on rajoute un petit paragraphe en disant qu'on espère que les enseignants auront à manger. C'est sympa, hein ? Mais il passe la corbeille. Soit on le dit pour marquer des passages des différentes parties des offices, soit on le dit dans un cadre de deuil. Et donc,
Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire, quand quelqu'un est décédé, en son nom, on dit pour lui ou pour elle, que soit agrandi et sanctifié le grand nom. Amen. Et donc, peut-être qu'on y croit, peut-être qu'on n'y croit pas, peut-être qu'on est en colère, peut-être qu'on ressent plein de choses qu'on ressent. Mais en tout cas, il y a cette expérience que tu dis ça et tout le monde te répond. Tu dis ça dans l'état où tu es et tout le monde te répond derrière. Et c'est un rôle d'accompagnement et de collectif au service de ce que vit la personne qui est important. Et un rôle d'accueil qui est important. Donc, lequel c'était. Et moi, je trouve que ce que dit Leonard Cohen, c'est un commentaire de ça. Et c'est un commentaire de plein d'autres trucs dans le judaïsme, et je trouve que c'est 100% légitime. Maintenant, on rentre dans le truc. Si c'est toi qui distribues les cartes, je quitte le jeu. Si c'est toi qui soignes, je suis brisé et boiteux. Si la gloire est à toi, il me reste la honte. Tu le veux plus sombre, nous tuons la flamme. Magnifié, sanctifié soit le nom sacré, diffamé, crucifié dans le cadre humain. 1 million de bougies brûlent pour l'aide qui n'est jamais venue. Tu le veux plus sombre ? Je suis là, je suis là, je suis prêt, mon maître. Il y a un amant dans l'histoire, mais l'histoire est malgré tout la même. Il y a une comptine pour la douleur et un paradoxe qu'on peut accuser. Mais c'est écrit dans les Écritures et ce n'est pas une revendication futile. Tu le veux plus sombre ? Nous tuons la flamme. Ils alignent les prisonniers et les gardes visent. Je me suis battue avec quelques démons, ils étaient médiocres et domptés. Je ne savais pas que j'avais la permission d'assassiner et de mutiler. Tu le veux plus sombre ? Je suis là, je suis là, je suis prêt, mon maître. Magnifié, sanctifié soit le nom sacré, diffamé, crucifié dans le cadre humain. 1 million de bougies brûlent pour l'aide qui n'est jamais venue. Tu le veux plus sombre ? Nous tuons la flamme. Si c'est toi qui distribues les cartes, je quitte le jeu. Si c'est toi qui soignes, je suis brisé et boiteux. Si la gloire est à toi, il me reste la honte. Tu le veux plus sombre ? Je suis là, je suis là. Je suis prêt, mon maître. Je suis là, il le dit en hébreu. Hineni, hineni. Leonard Cohen a aussi des chansons il a une de ses chansons, il dit c'est à travers un vase brisé qu'on voit la lumière, et enfin il a plein de chansons très très calmes, dont Alléluia ne fait pas partie, parce qu'Alléluia n'est pas une chanson calme chez Leonard Cohen, mais il a aussi plein de chansons calmes, mais je voulais l'amener ici parce que c'est pas, enfin, pour moi, en attaquant Dieu, Leonard Cohen est entièrement dans la vision juive, toujours la vision double de je m'appuie, enfin, c'est plein de visions doubles, hein, mais ici c'est je m'appuie sur une tradition qui a du sens, et je l'interprète en n'acceptant pas ce qui n'est pas acceptable. Et donc je vous propose... Je m'appuie sur une vision de paix, disons, sur une vision que soit agrandie et grandie et rendue puissant le nom... Ça c'est le kaddish, que soit grandi... Le nom de la puissance qui nous donne la force et qui nous fera accéder au monde idéal, et que ce monde idéal vienne et que je m'appuie là-dessus dans une force de paix et d'espoir d'un côté, et de l'autre côté inacceptable. Non. Et ça c'est You Want It Darker. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, ouais, mais on a commencé en retard. Donc, je suis pile. Mais il faut que le partage. Mais on aura le temps pour le partage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est écouter une fois Leonard Cohen
Et ensuite, parce qu'un million de bougies, etc., dans sa chanson, etc., et puis les rituels, et s'approprier les rituels, et on a le droit de faire ce qu'on veut, et les bougies, symbole universel, machin, on va faire un petit truc avec des bougies, brièvement avec des bougies après.